Et bonjour à tous, c'est Brian Sursault pour la vidéo sur Alienization pour l'épisode 19. Alors, c'est reparti. Alors, c'était là. Ah, arrêtez-moi le programme. Ah, c'est là. Oh non! Oh, comment ça là? Oh, bon, je passerai tout ça. Oh là, je reconduis ici, c'est abusé. Putain, faut que je refasse tout. Putain, ils sont chiants.
paniquer. Non mais je vous passerai tout ça. Putain. Donc maintenant faut que j'aille encore jusqu'à là-bas. Putain, fais chier. On va s'être là. Veuillez garder votre calme et rejoindre la sortie la plus proche. Plutôt, voilà, nickel. C'est bon, voilà. On sort jusqu'à là-bas. Voilà. C'est là. Ouais. Voilà, bon là après t'as la cinématique. Voilà. Alors, on part là-bas. Est-ce que là on peut... Là, ça, on va voir, on s'en fout. Alors, on va essayer de sauvegarder. Veuillez rejoindre le SAS le plus proche et attendre la notification de réponse d'urgence. Le truc, il est... Merde, il est pas là. Putain, il est là. Veuillez rejoindre le SAS le plus proche et attendre la notification de réponse d'urgence.
Tiens. Oh la merde. Non, mais vas-y là, putain, barre-toi. Veuillez rejoindre le SAS le plus proche et attendre la notification d'une réponse d'urgence. Merde. Et attendre la notification pour répondre aux. Oh, je suis trop loin, genre. Voilà, comme ça on s'entend là-dedans, c'est bon. Ah, et je vois que j'ai plus beaucoup de batterie. 50% effectué. Pressurisation du SAS, 75% effectué. Pressurisation du SAS terminée. Voilà. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, mon Twitter. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Donc, on va se laisser là pour cette vidéo. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Quelqu'un m'entend? Ripley, c'est vous? Ouais, wait. C'est moi, espèce d'enfoiré. Vous m'avez enfermé. Vous avez éjecté le labo dans l'espace. Qu'est-ce que vous croyez? J'avais pas le choix. Vous avez vu cette chose? Vous avez vu ce qu'elle a fait? Il fallait que je la sorte de la station. Quel que soit le prix à payer. Ouais. M'utiliser comme un pas.
Me laisser crever. Mais ça a marché, Ripley, merde. Ça a marché. Je l'ai eu, cette saleté. Je l'ai largué dans la géante gazeuse. La station est en sécurité. Il y a ça. Et il y a aussi le fait que vous êtes une ordure sans scrupules. Je retourne au bureau. On pourra reparler de vos méthodes quand j'y serai. Terminé. Avertissement. Apollo a élevé l'alerte du confinement du danger au niveau Oméga. Merci. J'ai trouvé le dernier joint de transmission. Ça m'a pris un peu de temps, mais il est éteint maintenant. Je suis juste en train de fixer la dernière attache de sécurité. Rejoins-moi quand tu auras éteint le tien. Ensuite, on pourra se parler d'ici. Putain, mec, j'entends des bruits de partout. Le moindre craquement est... Enfin, mêle-toi le cul, tu veux. Ici Turner. J'ai encore dû m'occuper de cet abruti d'ivrogne. Cette fois, il a presque pété la porte avec un cric de maintenance. Il doit sûrement se croire en sécurité ici, il veut s'y enfermer. Non mais, qu'il aille se faire foutre. On a d'autres chats à fouetter que de babysitter des poireaux. Enfin bon, je l'ai bouclé dans le coffre des pièces à conviction. Laisse ce connard cuver.